Le monde va vite, les réseaux aussi. Voici mon avis des vedettes en 60 secondes. Second film du duo du Palma Show, les vedettes s'éloignent de la comédie d'aventure pour offrir un comique de situation loin des stéréotypes du genre. Brossant un portrait peu reluisant de leurs deux héros clairement mauvais, la tendresse avec laquelle la caméra s'est portée sur eux permet au film d'éviter les écueils parodiques où on se moque à outrance des gens simples. Oui, les personnages sont remplis de défauts, mais ils demeurent humains et existants. Et là où une autre écriture aurait pu faire sombrer le propos dans une moquerie gratuite des amateurs de télé-réalité, les vedettes le questionnent, le réfléchissent, et finalement nous rappellent que derrière les débiles, il y a souvent des gens paumés qui vivent dans un système où chacun essaye de tirer sa part du gâteau de la reconnaissance qu'on nous fait tous convoiter. Le tout, bien sûr, saupoudré de l'humour atypique de l'équipe et de leur grand talent pour singer les tubes d'émissions télé, etc., etc., sans jamais être dans le parodique, mais plutôt dans un détournement fin qui n'est pas sans rappeler les grandes heures des inconnus.